ampules-bulles, des ampules-bulles. Mais on est où là, dans le trampoline. Ah ouais, dans le trampoline. Il fait beau, il fait chaud. Vous devez entendre les cigales d'ailleurs qui chantent. Ouais. On s'entend presque plus parler, nous. On a tellement des cigales. Ouais. On a un arbre juste derrière, un noyer, et il est rempli de cigales. Alors oui. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc aujourd'hui on va ouvrir des ampules-bulles. Alors, c'est quoi des ampules-bulles? Princesse, pour moi, et Corentin, super-héros. Elle a dit qu'est-ce que c'était. Alors les ampoules-bulles, et ben les bulles, elles tombent sur ta main mais elles s'éclatent pas et en plus elles s'empilent. Oh, c'est trop bien ça. Alors les amis, voilà, donc nous avons des ampoules-bulles Avengers. Donc nous avons dans la collection donc Thor, Iron Man, Captain America et Hulk pour les Avengers. Donc ils sont tous là pour Corentin. Et pour Océane, nous avons la collection complète des ampoules-bulles version Disney Princesse. Et il manque que Belle. Alors nous avons toute la collection. Alors bien sûr, Belle n'est pas dans la collection. Donc non. Nous avons Réponse, Cendrillon, Jasmine et Ariel. Donc on les a tous aussi. Donc oui, Océane adore Belle, mais malheureusement il n'est pas dans la collection. Il existe aussi une autre collection qui est la Reine des Neiges. Ah. Alors est-ce que vous voulez les ouvrir ces ampoules-bulles qu'on les voit d'un peu plus près? Oui. Alors on va ouvrir, au total on en a 8 à ouvrir, donc 4 pour Corentin, 4 pour Océane. Bon, je vais ouvrir celui de Celui de l'Ariane. Moi je vais ouvrir Iron Man. Lui je le vends tout le temps pour jouer au super-héros à l'école. Alors ça y est, vous avez tout ouvert? Oui, et regardez derrière, il y a le personnage. Oh, alors je vous ai bien aidé à les ouvrir. Ah bah, c'était un peu dur à les ouvrir quand même. Hein. Alors, on commence par montrer quelle collection? Celle de Corentin ou celle d'Océane? Celle de moi. Celle de toi? Oh, ok, bah t'es gentil, Corentin. Alors fais-moi voir un peu tout ce que t'as eu. Merci, ma chérie. Alors nous commençons avec Ariel. Voilà, donc ça ressemble à un petit stylo. Voilà. Et derrière, nous avons écrit son nom, Ariel. Ensuite, on continue avec qui? Avec Cendrillon. Cendrillon. Derrière, il y a le personnage, plus il y a le nom. Avec écrit Cendrillon, Cinderella. Voilà. Donc, bien sûr, ça s'ouvre. Comme ça, je ne les ai pas montrés. Et après, il y a le petit, le petit truc pour faire la bulle. Et on dirait un stylo. C'est pas pareil que les autres. Ah bah oui, c'est pour faire des petites bulles, hein, mon loulou. Ouais. Donc ça ressemble vraiment à un stylo, ça se met dans la poche, c'est super sympa. Ensuite, on a qui, louloute? À mon avis, ça va faire des boules bleues, rouges, jaunes, verts. Réponse. À maman. Ouais. Avec écrit Rapunzel en anglais, avec le petit Pascal derrière. Nous avons Réponse. Et pour la dernière, c'est laquelle? Olivier Pascal. Il est derrière, louloute. C'est Jasmine. Non. Et Jasmine, fou la dernière. Voilà la petite Jasmine qui est trop belle. Voilà, et avec la petite lampe de Aladdin derrière. Voilà. Et ensuite, on va continuer avec la collection des super-héros qui sont. Alors, moi, il y a Thor et en plus, là, il y a que le nom et plus le personnage. Alors, il y a pour Corentin Thor. C'est le mieux dessiné. Avec Avengers Thor et il y a son dessin derrière. Alors pareil, pour Corentin, ça ressemble à un stylo. Voilà, donc c'est exactement pareil. Iron Man. Iron Man. Voilà. Je connais toutes les princesses. Avec Iron Man et son nom. Et donc Diana. Trop beau. Et la princesse à la grenouille de mes collections. Oui. Alors après, il y a en Avenger Hulk. J'adore Hulk. En vrai, Hulk, eh ben, c'est un papy, mais en fait, dès qu'il se met en colère, eh ben, il se transforme en Hulk. Voilà, Hulk. Et dès qu'il derrière. Se calme, eh ben, il redevient papy. Il est trop beau, celui-là, moi j'aime bien. Et Captain America. Et pour finir, le capitaine des Avengers. Captain America, avec derrière c'est son le capitaine petit des dessin. Avengers, et voilà pour les Captain America. Donc voilà pour la collection des Avengers. Alors c'est bien beau de les avoir ouverts, mais est-ce qu'on les essaye? Mmh. Ouais, vous croyez? Et puis on va les essayer dans le trampoline. Trop bien. Il va falloir essayer d'empiler le plus de... Oh les loulous, vous avez choisi un ampoule-bulle? Ouais. Captain America. Et moi, Ariel.
Ariel. Ok. Alors, on bah, c'est simple. On a choisi tous les deux nos préférées couleurs. Ok. Bah alors, c'est simple. Bah écoutez, si vous voulez, on peut faire ça sous forme de challenge. Ouais, alors, bah écoutez. À mon avis, on doit essayer d'en empiler le plus. Voilà, on va essayer d'en empiler le plus possible, alors. Eh bien, c'est simple, il faut souffler. Il faut souffler. Comme dans les bulles normales. Oui, mais et puis après, il faut souffler qu'une fois. Oui. Et après, il faut essayer d'empiler toutes les bulles sur sa main. Même les bulles de l'adversaire. Voilà, vous essayez de le faire en sautant si vous, voulez. Voilà. Et vous allez essayer de les empiler. Et celui qui aura le plus de bulles empilées sur sa main aura gagné. Ok ? Ouais, à mon avis, il y aura des bulles bleues et roses. Non, elles sont de la même couleur, je crois. Corentin et Océane ont peur de tout renverser, donc c'est moi qui vais souffler sur les bulles. On connaît pas trop en fait les trucs qui sont magasins. Alors je vais souffler une fois sur Ariel et une fois sur Captain America. Captain America. Et bon, après c'est pas grave, on vous a attrapé les bulles. Alors là, j'ai Ariel et c'est un peu épais quand même, hein, comme on y va. Alors, hop là, vite, allez, on saute. Ah, non, ça marche pas, il y a du vent. Oh, bon, je sais pas si on va faire un challenge. Hein. Ça marche pas, les loulous. Bah, essayez de le faire, mais sans sauter. Alors, ça coule. Allez-y. Vite. Elle peut en rattraper une, moi. Non? Vite. Oh, les loulous, les cailloux, comment ça se fait? Apparemment, ça ne fonctionne pas. Wouh! Avec le vent, il y a trop de vent, donc on va quand même essayer de les attraper, ces boules. Alors, quand on a une sur son doigt. What? Oh. Les loulous, cette fois, on s'est mis de l'autre côté de la maison, voilà, parce que dans le trampoline, on n'y arrivait pas bien. Corentin, Océane n'arrivait pas trop à souffler et attraper en même temps les bulles. Apparemment, c'est difficile. Donc moi, je vais souffler les bulles, on est de l'autre côté, on va quitter le trampoline. Je vais souffler sur les bulles et ils vont essayer de les attraper. Bon, on essaye, hein. On va voir, hein. Alors, c'est parti.
Alors t'en as une, loulou? Waouh. Alors les amis, c'est pas très concluant hein, comme jeu. Oh les loulous, est-ce que c'était bien? Oui. Ouais. Par contre, je crois que c'est pas très très facile à attraper. Hein. Surtout quand il y a un peu de vent, ça fait très beaucoup de bulles. Bon, ça, on en a de partout, hein, ça colle. J'en ai plein les doigts, regardez les amis, je sais pas si vous voyez, j'en ai plein les doigts. Ouais, à un moment donné, si vous en avez empilé combien, Océane, t'en avais empilé? J'en ai attrapé. Oh, désolé. Combien en tout? 3, je crois, Océane, je crois, Corentin, 4. 4, 6. 6, ouais, mais bon, c'est pas très pratique pour des enfants qui sont petits. Il faut pas qu'il y ait de vent du tout. Eh ben, dis donc. Bah dis donc. Attends, Océane. Par contre les loulous, bah, c'est quand même marrant. Hein, ça fait quand même des bulles. On s'est bien amusé. Par contre, je suis pas convaincue sur le fait. Ouais, elles tiennent, mais c'est très très dur à empiler. Oui, parce que en fait, dès que tu les empiles, bah, elles éclatent à cause du vent. Ouais, donc Eh ben dis donc. Alors, ben ouais, c'est pas très très pratique. Avec le vent, il faut pas en faire avec le vent. Donc, bon, après, c'est pas trop conseillé dans la maison non plus. Parce que regardez, j'ai les doigts, on dirait de la colle. Tellement ça colle. Donc, c'est pas très conseillé dans la maison. Donc, à moins qu'il n'y ait pas de vent du tout. Hein, c'est pas très concluant. Mais par contre, ça fait des super bulles. Alors, vous êtes quand même amusés, les loulous. Oui. Ouais. Vous êtes tout bien amusés quand même. Quelques-unes. Oui. Ouais, vous avez attrapé quelques-unes, il faut un peu d'entraînement, je pense. Moi, j'en ai attrapé 3 d'un coup, et après, j'en ai re-attrapé 3, avec celle de lapin qui était sur mon bras, et après, j'en ai attrapé 2 sur ma main. Et puis, en plus, c'est pas facile en vidéo, parce qu'elles partent de partout, les bulles. Alors, le principal, c'est qu'on se soit amusé. Alors, les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo, du coup, il n'y aura pas eu de challenge. De ce test, en fait. Voilà, c'est un test, voilà, comme Kids Studio Test, en fait. Donc c'est la fin de ce test. Alors si vous avez aimé, dites-nous déjà quel est votre personnage préféré. Moi c'est... Bah moi tous. Non, c'est... Moi en fait c'est pas elle, c'est que cela. Ah, alors belle. Toi, celle que t'aimes le moins c'est Jasmine. Et Corentin les aime bien tous. Alors dites-nous quel est votre personnage préféré dans les commentaires. Et puis... rigolo Hulk. Et puis dites-nous si vous avez aimé cette vidéo malgré tout. Hein. Si vous connaissiez Empile Bulle, si vous en avez, si vous avez déjà testé et combien de bulles vous arrivez à empiler si vous en avez déjà testé. Et puis bah, les amis, comme c'est la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme capitaine. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros. Un petit pouce bleu comme Cendrillon et Jasmine. Ciao, ciao les amis. Et aussi bisous. La reine des neiges.